dans un lycée de la petite ville de Vire. Une classe normale, compte parmi ses élèves Clark, élève comme les autres, qui, dès que le week-end arrive, se transforme en Super Carotte Man. Bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes enchantés, bien sûr, de vous recevoir ici sur ce plateau. Merci. Je vois cependant que vous avez tenu à garder l'anonymat. Ah non, pas du tout. C'est mon costume de week-end en tant que super-héros. Il est cool, non? Vous trouvez pas? Oui, très bien. Alors, votre père était un super-héros très connu dans les années 80, n'est-ce pas? Eh bien oui, en effet, mon père était Carotte Man, comme vous pouvez voir sur ce portrait, et... je prends son relais aujourd'hui, et je suis aujourd'hui Super Carotte Man. Merci papa, je prends le relais. La force de la Super Carotte est avec nous. Quelque part, on peut dire aussi que vous n'avez peur de rien. Ah non, ça je n'ai peur de rien. Un super-héros ne doit avoir peur de rien. J'ai un peu de mal, moi, avec les lapins, je ne supporte pas trop les lapins. Généralement, mais j'ai beaucoup de respect pour les animaux, et jamais je ne leur ferai de mal. Ok, d'accord. D'autres saloperies. Alors, en tant que super-héros, est-ce que vous avez un entraînement bien spécifique à vous ou bien, Ah oui, tout à fait, naturellement. Il faut bien que je fasse un peu de sport pour ma carrure et pour tout ce qui est physique dans mon boulot. Et forcément, il faut que je me lève tôt le matin. Et ça m'arrive régulièrement d'aller courir dans le champ de carottes à côté de chez moi. Donc voilà, et donc je fais beaucoup de sport, et moi je ne supporte pas rester chez moi, fermé dans une télévision, c'est vraiment pas mon truc. Non, tout à fait. Et donc, d'après vous, quelle est votre plus grande qualité? Ma plus grande qualité, je pense que c'est d'être vraiment très attentif. Je suis plutôt, comme dirait notre ami Jean-Claude Van Damme, très aware, vous voyez, comme ça, quoi. Quelque part, vous êtes une sorte de sauveur de l'humanité, n'est-ce pas? Oui, enfin, je n'aime pas me vanter, mais on peut dire ça comme ça. C'est vrai que je vais souvent aider les gens en détresse, tout ça, c'est mon boulot, et je... J'aime ça et je pense que les gens m'en remercient beaucoup et franchement, je pense qu'ils m'admirent. T'inquiète pas, Minou, je vais t'aider à descendre. Super Carotte Man, merci d'être venu sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Nous avons été heureux de vous recevoir parmi nous. Oui, moi aussi. Je voudrais juste signaler aux téléspectateurs que donc s'ils veulent me retrouver, moi et mes histoires, sur une vidéo, et bien la vidéo donc est sortie. Tu peux couper, c'est bon. Et vous pouvez sur internet au www.carotte.fr. Donc n'hésitez pas à l'acheter, ça vaut le coup, je peux vous le dire. Moi je l'ai vu et franchement je suis assez fier de moi depuis que je l'ai vu, je trouve franchement qu'elle vaut vraiment le coup. Alors mais qu'est-ce que vous faites? Mais attendez, j'ai pas fini mon interview. Mais pourquoi vous... Ah, attendez, j'ai pas fini. Non. Ah, mon costume, mon beau costume. Oh, les abus.